In our own language, we call it kurima kwechinyakare, meaning our traditional agriculture. That describes that what we inherited from our parents, which has sustained our parents, our environment for generations. La visión del Maela es que la agroecología es el gran paraguas político de todas las agro e hidroculturas que los productores de alimentos a pequeña escala hacemos en el mundo, en los distintos territorios. Tiene el desafío de que es una propuesta de modelo alternativo a este sistema, pero que no homogeniza lo que hacemos en los territorios, sino que se rige bajo principios en común, principios productivos, biológicos, sociales, políticos. We kind of see it as food sovereignty. So when we say food sovereignty, that means that each community has the sovereignty, the autonomy to choose how we want to do it, what we want to grow, you know, what way of life we want to choose. La agroecología es importante también porque puede garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad, que para nosotros la biodiversidad es el principio y el fin de la vida y de las culturas, de los pueblos. Quand on parle d'agroécologie, c'est quelque chose qui lie l'agriculture paysanne avec les connaissances des ancêtres, ensuite les recherches scientifiques. Donc on doit combiner ça. So I see agroecology as a vehicle through which truly sustainable food production and ways for us to connect with the land in general and can happen in a way that's really owned by the populace, in a way that doesn't just create a new market, but that in a way that's allowing us to access affordable food for each other, providing good income for the producers, and goes beyond, hopefully goes beyond the idea of just singular farms, you know, and more collective action. L'agroécologie ici, ça doit devenir un concept porté par des politiques publiques. Je pense que la définition, le contenu et les options politiques doivent être... la définition de ces options doit revenir aux communautés paysannes. L'industrie agricole est là, c'est très fort. Very good lobby, very well organized. All the public policy is for that. Common agriculture policy is something like 55 billion euro per year. I mean, all those 55 billion are going the wrong direction. So it's not an easy task to build an agroecological model in Europe. Yo creo que hoy abrimos como yo tengo dicho, una ventana en ese edificio, la sede de la FAO en Roma, que más de medio século es considerada la catedral de la Revolución Verde. Somebody that wants to use agroecology as a tool to maintain the situation as it is, just a greening of the industrial agriculture model, FAO open a window in the institutions. I mean, it's important that we keep this window very open. C'est intéressant que le FAO et aujourd'hui prend la responsabilité d'organiser un forum sur l'agroécologie, et nous pensons que ça est un pas dans la bonne direction. C'est le premier pas. Et là, je pense qu'au niveau des organisations paysannes et comme et la Via Campesina et d'autres organisations de la société civile, nous devons continuer à faire pression sur FAO pour que FAO s'engage dans le vrai chemin. Parce que le seul chemin qui peut résoudre le problème de la faim vraiment dans le monde, c'est l'agroécologie. We were talking in our working group earlier about agroecology as the tool with which we can reach food sovereignty. So agroecology not as being the destination, but agroecology as being the articulation of how we're going to get to food sovereignty. Et la souveraineté alimentaire aussi, c'est l'autonomie paysanne, c'est-à-dire les paysans doivent pouvoir utiliser leurs semences, doivent pouvoir utiliser leurs connaissances pour la fertilité, pour la gestion de l'humidité dans les sols, pour un certain nombre de fers et même pour la gestion des marchés locaux. Tout cela, je pense que fait partie de la souveraineté et a un lien étroit avec l'agroécologie. Donc je pense qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans agroécologie.
Et certainement, il n'y aura pas, disons, d'agroécologie qui va durer sans une politique de souveraineté alimentaire qui la soutient.